1143. Drôle de titre. Ça vient du calibre qu'on utilise entre nous pour les règlements de compte. La tradition du métier, quoi. Mon nom devrait vous dire quelque chose. Pour tout le monde, je m'appelle André Canillas. Mes proches, enfin les survivants, m'appellent Dédé. On dit que je suis... que j'étais le parrain de Marseille. Raquette, braquage, fille, machine à sous, drogue, on m'a tout mis sur le dos. Mais on a dit beaucoup trop de choses sur moi. Enfin, peu importe. Quelqu'un a fini par m'envoyer 5 balles de 11.43 dans la poitrine. C'est la raison de tout ce bordel. C'était manger le volant, quoi. Alors, c'était pas des conneries, c'était bien Canillas. Ouais. Ça fait bizarre, hein, de le voir autrement qu'en photo, quand même. 5 balles, 11.43. Tir groupé. Distance 6-7 mètres. Pas de projectile perdu. Douille ramassée. Travail de pro. Mon avis, il a pas dû avoir le temps de faire un geste, votre Dédé. Je peux espérer avoir les analyses balistiques pour quand? Demain matin? Chez les experts, Las Vegas, vous les avez dans l'heure. Sur la planète Terre, va quand même falloir attendre un ou deux jours. Bon. On me rassemble tout le monde, ok? Famille, relations, amis, ennemis, allez, tout le monde. Ouais, les gars, je vous le dis, hein. Je me fais 6 dimanches sourds et à soi. 6 dimanches sourds, pourquoi pas Kaiser? Lisa Vestrieux. Faut que je vous en parle un peu. Une légende à l'évêché. Dans la police depuis 20 ans, d'abord à Paris la DST, puis les stupes à Lille. 2 ans à poste à Miami, avec la DEA, et puis Marseille, la crime. Celle qui a tombé mon ami Carrez, dit l'enclume et son copain La Pioche. Après qu'ils aient fumé Nicole Grec. Mais moi moi, elle a jamais réussi à me coincer. Allez, envoyez les artistes. Elle, c'est Anita, ma sœur. Vous fiez pas à son air sympa, c'est une vraie salope, dure comme le tungstène. Son rayon, les putes et les clandés. Antoine Manidoro, surnommé Main d'Or, évidemment. Con, brutal et fidèle. Parfait pour un lieutenant. Mon fils, Ernesto. Flambeur, frimeur, fêtard et con comme un manche. Dire qu'il rêve d'hériter de mes affaires. Pff, j'ai jamais su quoi en faire. Merde, Mika. Le fils de mon pauvre frère aîné. Il marche à la coco pure, ce con. Regardez comme il est maigre. Je le soupçonne d'aimer faire du mal. Aux femmes en particulier. Ah. Elle, c'est Dora. La belle Dora. Je vous l'ai déjà dit, je ne m'occupe que de la direction artistique. Les chorégraphies, les musiques, tout ça, quoi. Les affaires de mon frère, je sais pas trop. Et les filles, elles font que danser dans vos boîtes? Oui. En dehors de l'établissement, après... C'est leur vie privée. Ces derniers temps, votre frère, il était nerveux, non? Canillas était nerveux tout le temps, même quand il dormait. Bon, il a eu des soucis de santé. Il avait tendance à péter les plombs ces derniers temps. Enfin, un peu plus que d'habitude, quoi. On l'a soupçonné d'avoir tabassé une prostituée ukrainienne récemment. La fille a fini à l'hôpital. C'est ça dont vous voulez parler? Un lien avec sa mort? Jamais entendu parler de cette histoire. Jamais? Jamais. Bon, écoutez, Kania, c'était un vrai salopard. Il avait même levé la main sur moi, sa sœur. Les ennemis, il en avait des valises. Mais il continue à faire peur. Et je vois personne avec assez de couilles pour le tirer dessus. Pas même Sidi Mansour. Sidi Mansour, c'est ça.
Dédé, il était devenu cinglé. Mais c'était quand même mon frère. Elle a raison. Le vieux devenait complètement ingérable ces derniers temps. Il était nerveux, agressif, méchant. Et même s'il avait pété les câbles, il faisait encore peur. Je ne me suis pas attaqué à lui. Le bon chien ne mord jamais la main qui le nourrit. Enfin, tant qu'il a suffisamment mangé. Pourtant, la place du boss, c'est pas mal, non? Alors écoute, je sais pas qui c'est qui l'a tué, Canillas. Alors vous marquez ça dans vos papiers et puis vous me laissez rentrer chez moi. Et Ernesto? Il avait de bons rapports avec son père? Ernesto et son père. Ils arrêtaient pas de se disputer tous les deux. Enfin, c'était surtout Dédé qui faisait chier son fils. Tiens, hier matin, par exemple. Il a commencé dès que le petit con est arrivé. Dis donc, Ernesto. Je viens d'apprendre que ton père t'avait demandé de lui filer ta nouvelle bagnole. C'est pas sympa, ça. Mais c'était son pognon, alors il faisait un peu ce qu'il voulait. T'as quoi au juste, toi, Ernesto? Pas de magasin, pas de bar, pas de boîte de nuit, pas de resto. Que dalle. Avec toutes les affaires qu'il avait, il t'avait rien donné, ton père? Tu faisais pas confiance ou quoi? Paraît que la bagnole, c'était pour amener Dora à manger au bord de l'eau, dans un de ses restos. Vrai ou pas? Pareil qu'un jour, il t'a traité de femme devant tout le monde? Il m'a pas traité de femme. Il a dit que j'étais comme ma mère, que je ressemblais à ma mère. Et ça, c'était trop. Alors, ce soir, entre l'histoire de Dora et l'histoire de la bagnole, t'as pris une arme. Arrêtez vos conneries. Je l'ai pas buté, c'est pas moi. Bon, tu vas faire un tour avec Dora. Tu me la mets en confiance. Gilles, tu recommences. Dora, tu es avec moi, s'il te plaît? Bon, on va reprendre à zéro. Tu vas me re-raconter la dispute avec ton père? Monsieur le procureur? Je suis venu dès que j'ai su, Lisa. Kenya, c'est énorme. Il faut me régler cette affaire au plus vite. On y travaille, monsieur le procureur, on y travaille. Écoutez, on va être clair. Kenya, c'est mort. C'est un règlement de compte entre truands. La presse sera contente, Marseille préserve sa réputation et tout le monde dort tranquille. Vous avez tout intérêt à ce que cette affaire se termine rapidement. Plus elle durera, plus on s'intéressera à vous. Mauvais pour votre carrière. On sait que c'est pas toi qui l'as tué, Canias. Canias, il me faisait peur. Ils me font tous peur, de toute manière. Un jour, j'en ai vu enfoncer le canon d'un flingue dans le cul d'une fille. Qui? C'était qui? C'est bon, laisse tomber. Écoute, tu peux pas garder tout ça pour toi, Dora, hein? Puis tu t'en fous de tous ces connards, là, tu leur dois rien. Tu devrais dire tout ce que tu sais à Lisa. C'est quelqu'un de bien, tu peux lui faire confiance. Pense-y. Dis à Lisa que je suis là. Je vais mettre en bas, lui. Il est au chaud. Tu vas voir si je suis en retard, moi. J'aime bien tous ces tubes. Ça m'inspire. Et ça aide les salopes dans ton genre à chanter. On reprend. Ton ami Sidi Mansour. Bah, arrêtez avec ce Sidi Mansour, c'est une légende, je connais pas de Sidi Mansour. Et puis, votre Canillas, là, je sais plus rien. Mais franchement, monsieur le fils, c'est comme un minable voyou comme moi, de quartier nord, il pourrait s'en prendre à une légende, à un gros mec du milieu, à Canillas. Non mais franchement... Tiens, ça m'énerve à soin que tu m'appelles monsieur l'officier. Je sens que tu te fous de ma gueule quand tu m'appelles monsieur l'officier. Bon, récapitule. Sidi Mansour, tu connais pas? Canillas, tu connais pas? Antoine Malindoro, son lieutenant, tu connais pas non plus? Pas.
qui? Ta gonzesse? Alors, à soin. Ouais, Sidi Mansour connaît pas. Par contre, Mani Doro, regarde. Il a bien été obligé d'admettre que oui. Ils se sont rencontrés pour affaires, à ce qu'il dit. Mais bon, rien qui concerne Canillas. Ouais, c'est ça, rien à voir. Le hasard, Mektoub, quoi. Ben, on va voir ce qu'il en pense, notre ami aux mains d'or. Alors, on va arrêter de jouer au con, Antoine. Assouan nous dit qu'il t'a rencontré à ta demande. Tu lui as demandé à lui et à Sidi Mansour de te débarrasser de Canillas contre un redécoupage électoral. Mais les Arabes n'ont pas voulu, c'était beaucoup trop gros pour eux. C'est du pipeau. Arrêtez de me la jouer à l'intox. Je sais pas qui c'est ce Assouan, je l'ai jamais rencontré. Je dois faire un blocage, ouais, c'est ça, je fais un blocage. C'est sûrement ça. C'est le blocage d'Assouan. Oh, ça, c'est pas bien, ça, madame. Ça, c'est vraiment pas bien. On a des photos de surveillance, crétin. Toi et Assouan en resto, en amoureux. T'as trahi Canillas et tu t'es associé aux petites frappes des quartiers. On va voir ce qu'ils en diront, les amis de Canillas, les Tringales et les autres équipes. On lui fait saigner le PV et on le remet au juge, là, qu'on l'envoie aux gamelles. C'est pas mon problème. Attendez. C'est eux qui ont voulu me rencontrer. Enfin, c'est Assouan qui a demandé à me rencontrer de la part de son patron, Sidi, machin, je sais pas comment il s'appelle. Il voulait me proposer un marché. Je les aidais à se débarrasser de Canillas, je récupérais les affaires du clan. Et on se partageait les machines à sous et les filles. Mmh, belle mentalité, hein. Oh, écoutez, ça va. Ce serait pas la première fois qu'un lieutenant supprime son ancien patron. Hein. Mais je suis pas con à ce point. Parce que si Sidi est assez fou pour s'en prendre à Canillas, ça aurait vite été mon tour après. C'est eux qui l'ont tué, Canillas. Moi, je l'aimais bien, ce vieux Jomar. Ma sœur, mon lieutenant, mon fils, sa gonzesse, les voyous émergents, les équipes adverses, tout ce monde qui me veut du mal. Ça doit être ça, la gloire. Finalement, tout le monde aurait pu me fumer. Même chez les flics, il y a des doutes. Tiens, au fait... Et mon neveu, Mika? Il voulait pas me charcler, lui aussi? Putain, ça commence à me faire chier, vos conneries, là! Il y a une heure que j'attends! Oh, tu calmes, toi? Oh là! Amène-le. C'est vous, la patronne? Bon, alors, on va pas y passer la nuit. Un, mon oncle, c'est pas moi qui l'ai charclé. Deux, mon crétin cousin est venu me voir pour me demander un flingue, mais j'ai refusé de lui en donner un. Trois, Camilla se couche avec Dora depuis 3 mois. Et Ernesto venait de la prendre. 4, à vous de faire vos conclusions. Moi, je suis pas condé. Putain, on peut dire que t'as l'esprit de famille, toi, hein? Pourquoi tu nous balances ça comme ça? Ben, Canillas mort. Le fiston en tôle. Elle va aller avec qui, à votre avis, la petite pute? J'adore. Je vous jure, je me régale. J'aurais dû mourir plus souvent. Personne n'a voulu me donner d'armes. Ils sont tous foutus de ma gueule. Ce connard de Mika, il m'a dit d'aller me faire une ligne et de changer de bagnole. Vous vous rendez compte? C'est bien foutu de ma gueule, hein. C'est lui que je devrais buter. Mais mon père, je le jure, je l'ai pas buté. C'est pas moi. Allez, bonjour. C'était qui, elle? Qui, Dora? Et non, l'autre, la brune. C'est une flic. Lieutenant, quoi. Elle travaille là. Quoi? Fliquette. Cette salope, j'ai vu plusieurs fois au babbing avec Canillas. C'est une pute, oui. Ah, mais oui, je la reconnais. La dernière fois que je l'ai vue, elle avait une mini-jupe au ras du tarmac. Alors forcément, ça distrait. Hein. Un Condé. Pfff, on ne peut plus se fier à personne. Mais c'est quoi cette histoire, hein? Quoi que tu joues, toi? Tu connais, Mika? C'est quoi, Badbine, déguisé en pute? Doucement.
Là, ma fille, va vraiment falloir nous expliquer. Laisse, on va la virer au bœuf carotte, ce salope. Ok, on se calme, je vous explique, là, c'est bon, là, on se calme. Bon, ben voilà, mon frère, je vous ai dit qu'il était mort il y a 2 ans, mais je vous ai pas dit de quoi. On l'a retrouvé dans les rochers en bas du Cap Canaille. Les collègues ont conclu au suicide, mais moi, j'ai jamais cru. Ah ouais? Et quel rapport avec Canillas, alors? Ben, hein? Le rapport, c'est que mon frère, il dealait un peu de coke, et il faisait des conneries, mais bon, rien de bien méchant. Et puis, un jour, il a eu des soucis, il a pas pu payer. La rumeur accusait Canillas, et il en aurait fait un exemple pour ses petits cons dealers. C'est comme si rien et personne ne pouvait atteindre Canillas, alors moi, j'ai décidé de m'en occuper moi-même, c'est tout, voilà. Je me suis infiltrée. Pour faire quoi? Ah non. Ah non, 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 pour le calibrage de ce soir, j'y suis pour rien, moi, Lisa. Hein. Attends, attends, fumer un mec de sang-froid, même Canillas, j'y arriverai pas. Putain, t'aurais dû nous en parler, Karine. T'aurais dû nous en parler. Bien, pour le moment, on a besoin de tout le monde. Bon, c'est le souk. Ils avaient tous de bonnes raisons de fumer le vieux, mais plus je réfléchis, plus je crois que c'est simplement une histoire de gang. Ah, Camilla, c'est comme le BL. Vous me retrouvez, Sidi Mansour, vous le faites parler, c'est lui le tueur, ou au moins son commanditaire. Putain, Lisa, ça fait 2 ans que les collègues le cherchent de l'île à Nice. C'est un mythe, on n'a même pas une photo de lui. Ah, si t'es en ville, toi, Sidi, j'aurais déjà logé. Ouais, c'est même comme l'a dit le sage, souhaite les choses suffisamment fort et elles arriveront. Vous avez souhaité me voir? Je suis Sidi Mansour. En tout cas, donne-moi, brigadier! Tu me donneras moins tout à l'heure, connard. C'est marrant, ça. Plus que les nanas qui fument de nos jours. Karine, faut que je te dise quelque chose. J'étais avec Canillas ce soir. Attends, c'est pas vrai. T'étais là? Et t'as vu quelque chose? Non, il faisait noir. Et tu penses qu'on t'a vu ou pas? Non, je crois pas. J'étais à l'écart dans l'ombre. J'avais envie d'aller pisser. Dès qu'on est arrivé, je suis sortie en vitesse de la voiture. Après, j'ai entendu les coups de feu. J'ai juste vu une silhouette. Pourquoi tu m'as pas dit plus tôt? J'ai peur, Karine. J'ai peur. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai poussé un petit cri. Mais j'ai pas réussi à voir son visage. Je tiens à vous le rappeler, madame. Je suis ici pour aider mon ami à soin. Je suis venu ici de mon plein gré, je repartirai quand je le déciderai. On est à la criminelle ici, c'est dit Mansour. On part pas quand on veut. À Grosny, les troupes spéciales avaient pour habitude de faire des rafles. Quand un de leurs prisonniers s'échappait, ils allaient rendre une petite visite à sa famille. Quand l'évadé revenait chez lui, il trouvait des... Comment vous dites déjà? Des surprises? Hein, c'est ça. Des surprises. Le bras de son bébé dans le frigo. Le sein de sa femme dans l'armoire. Moi, je n'ai pas de famille. C'est plus facile. Vous comprenez? Moi, je coupe pas les bras au bébé. Ce soir, j'étais du côté du port. Dans les hangars. Tu assistais à une scène terrible. Brave homme avec qui j'avais rendez-vous, madame. Il s'est fait tirer dessus en pleine poitrine. Ah. Horrible. Vous aviez rendez-vous pourquoi? On était en affaire avec Agnès. Mais... j'y suis un petit peu méfiant. Alors je suis venu plus tôt.
J'ai vu que Kanya s'était suivi par une autre voiture et... Ça, j'ai pas trop aimé. Et avec qui dans cette voiture? Je sais pas. J'ai pas bien vu. En tout cas, ce n'était pas quelqu'un qui voulait du bien à Kanya. Il y a tellement de mensonges que la mort de Kanyas ne sera jamais élucidée, ça. C'est pas bien pour votre carrière, madame. Pour votre tranquillité aussi. Ça peut se simplifier très vite. Si vous libérez mon ami à soin, par exemple, je peux lui donner mission de mettre un petit peu d'ordre. On peut simplifier ça très vite. Ça veut dire quoi en clair? Que je dois vous relâcher? Madame, ça se négocie. Tout se négocie. Vous savez, nous les Orientaux, nous aimons bien négocier. Elle était avec Kanya au moment de sa mort. Elle dit non, mais je suis sûre qu'elle a vu le tueur. Même qu'il est terrifié, ça se trouve, il est à la brigade. Faut faire un tapissage, Lisa. Hein. Faut lui montrer à son si dimanche soir, faut appeler le croc. Stop! Le premier truc à faire, Karine, c'est te calmer. Il paraît que t'étais là. Vas-y, raconte-moi. J'ai pas vu son visage, je vous jure. Je te crois pas. Moi, je sais que tu l'as vu. J'ai rien vu, je vous jure. Si. Si. Tu m'as vu. Tu m'as très bien vu. J'ai entendu un petit cri derrière moi, j'ai entendu bouger. Je savais qu'il y avait un témoin. J'ai pas réussi à le choper. Je dirais rien. Je vous jure. J'ai rien vu. J'étais pas là. T'as vraiment un problème, tu comprends? Pas moyen de me sortir de là. Vous allez pas me... Vous pouvez pas... Ça vous embouche un coin, hein? La policière exemplaire qui charcle le parrain notoire. On voit rarement ça dans les séries télé françaises, hein? Mais bon, c'est comme ça dans le monde où je vis. Tout est possible. Quand on veut monter haut, faut jamais laisser personne avoir prise sur soi. Éviter d'avoir des faiblesses. Éviter de tomber dans la drogue. Éviter les dettes, le jeu. Éviter de tomber amoureux. Je sais, c'est difficile, hein? On peut maîtriser sa carrière, mais c'est difficile de maîtriser ses hormones. Cette pauvre Lisa, elle n'a pas pu s'empêcher de tomber amoureuse. Et d'une fille, en plus. Oh, c'est pas un crime, hein? C'est pas ce que je voulais dire. Mais la police est vieux jeu, et on a que ça à choquer. En plus, Béatrice, son amoureuse, c'est une petite toxico, elle a fait des conneries, elle est au baumette. Et Lisa a juré de la faire sortir. Hey Lisa, c'est quoi cet embrouille? Paris qu'on le remet à la DST, lui? Oh, c'est devenu n'importe quoi, ici! Ordre du ministère, cellule antiterroriste et tout le bordel. Tu vas voir comment parole, un jour on va se retrouver seul à seul, je te jure, je te nique. Inch'Allah, mon ami, que Dieu t'entende. Ouais, c'est ça. Pour Assouan, vous m'avez promis. Quoi, Assouan? Pourquoi vous relâchez Assouan aussi? On a quoi contre lui? C'est pas
aussi. Trafic de merguez, revente illégale de cumin. Allez, débarrassez-moi de ces connards. Putain, mais c'est quoi, nous, maintenant? Eh, j'en sais rien, moi, ce qu'on fait. Il faut l'emmener à la DST, c'est tout, voilà. Putain, la famille Canillas, la famille Canillas, eh ben écoute, elle se démerdera toute seule, les armes. Elle sort où? La pointe du jean. C'est la part d'Afro. C'est réglé. L'exécution de Canillas, c'est Sidi Mansour. Je me suis occupé personnellement de la rédaction du PV où il avoue l'avoir éliminé. Malheureusement, Sidi Mansour a réussi à s'évader pendant son transfert. Parfait. Nous sommes quittes? On dirait. Pour Béatrice? Béatrice. Je vous ai promis de la sortir de là où elle se trouve, mais c'est extrêmement compliqué. Elle a été condamnée, alors... Vous n'allez rien faire, hein? Allons, Lisa. Du calme. Le truc dans notre business, c'est d'avoir de quoi répondre aux attaques. Je parle pas de flingue ou de bazooka, je parle de dossiers, de preuves, de papiers, de traces écrites. Moi, j'en ai eu un joli tas, sur Brindair et sur d'autres. Le problème des dossiers, c'est que ça fait aussi beaucoup de gens qui rêvent de vous voir disparaître. Canillas est mort, c'est un règlement de compte entre truands. Et tout le monde dort tranquille. Ces dossiers, je les ai pas emportés avec moi. On n'emporte rien. Non, je m'en suis servi, en fait. Une fois. Il y a 6 mois, on m'a fait un scanner de la tronche. Une tumeur grosse comme une balle de tennis. Le cerveau qui devient liquide et les idées avec. Je voulais pas finir en légumes, alors j'ai fait chier tout le monde en espérant que quelqu'un aurait la bonne idée de me flinguer. Mais non. Pas un seul de ces tocards n'a osé. Alors j'ai demandé un petit service à Sidi Mansour. Mon meilleur ennemi. On était en affaire avec Agnès. Ces fameux dossiers contre une sortie digne de mon rang. Une belle mise en scène avec hangar nocturne et mystère à la clé. Un parrain, ça meurt d'un 11-43. Pas de maladie. Le truc marrant, c'est que c'était avec Sidi Mansour que j'avais rendez-vous ce soir-là au hangar. Mais j'y suis un petit peu méfiant. Alors je suis venu plus tôt. Lisa aurait eu de la patience, ça serait évité le sale boulot et tout le merdier qu'a suivi. Mais bon. Elle était coincée. Vous avez tout intérêt à ce que cette affaire se termine rapidement. Nous sommes quittes? On dirait. Pour Béatrice? Tel que je le connais, Brindair. Ça m'étonnerait qu'il tienne parole. Les gens puissants ont souvent eu besoin des flics pour le sale boulot. Lisa... Elle est très utile. Elle, ils la tiennent au bout de leur ligne. À mon avis, elle devrait pas décrocher. Enfin, pas toute seule. Si vous libérez mon ami à soin, on peut simplifier ça très vite. Ça veut dire quoi en clair? Que je dois vous relâcher? Ça se négocie. Tout se négocie. Bon, ok. Aswan part avec toi. Dora, vous l'emmenez, je veux rien qui lui arrive. Les dossiers, le proc, tous les autres, c'est pour toi. Ils ont pas fini de me regretter, le proc et ses amis.
maintenant que Sidimans saura mes dossiers. Ils vont très vite apprendre que ces mecs de la nouvelle génération, ils n'ont pas le même savoir-vivre que moi. Ni surtout, le même savoir-mourir. Thank you.